Non, il n'y a pas. Pourquoi vous faites les deux? Ailleurs, il faut mon idiot, mais... On compte. Diombeza. Ça vous m'a dit que vous m'avez dit. Non, je n'ai pas dit. Je me disais bien ça. Petit là, créer un truc pour que les gens puissent faire le commerce. Connaissez-vous? Pour la sorcellerie. C'est ce qu'on appelle le déterminisme génétique. J'ai croisé beaucoup de Camerounais aujourd'hui. Hein. J'ai fait beaucoup de photos. N'est-ce pas? Oh là là! Une cinquantaine, hein. Parce que là, il y a vos photos. On t'aime beaucoup, on t'aime beaucoup. Hein? Non, ils font avec leur téléphone. Mon téléphone avait un souci. Ah, ok. Là, c'est bien. Je vais commencer à vous bloquer, hein. Parce que je constate que je commence tout de suite. Waonga, ma calme m'a bloqué. Ça dure déjà. Désormais, je fais ça. J'ai oublié de faire ça hier. Non, maintenant, je fais. Voilà. Désormais, je vais vous bloquer. Je vous ai déjà beaucoup laissé m'insulter. Je vous bloque désormais. Bloque ces barbares. Hôtel m'a dit, il faut te placer là-bas. Je vais vous bloquer désormais. Parce que j'ai déjà beaucoup rigolé avec vous. Comme le langage ne change pas, je vous bloque désormais. Peut-être que vous pensez que je gagne de l'argent avec Facebook. Moi, je n'ai jamais gagné de l'argent avec Facebook. Mais le manque de respect, désormais, ça s'arrête là. Tu me demandes la montre, tu n'es pas une femme comme moi. Je vous bloque vraiment tous maintenant. Tu me demandes la montre, tu n'es pas une femme. Tu demandes la montre à une femme de 54 ans. Comme vous n'avez pas compris, je vous laisse depuis m'insulter. Maintenant, je vais vous bloquer. Je vais vous bloquer maintenant. Connectez-vous, on va parler. Voilà. Désormais, je vous bloque. Je ne suis pas de votre catégorie, je vous bloque désormais. J'ai le temps aujourd'hui, je vais le faire tout de suite. Alors, ils tu demandes que je paye les bobolos, ce sont tes bobolos. Est-ce que j'ai parlé des bobolos avec toi pour me demander si tu payes les bobolos quand? Toi et moi, on a parlé des bobolos. Alors, ou bien quand vous êtes des... Vous êtes des faux profils. Désormais, c'est ce que je fais. Désormais, je bloque. Je sais que vous vous ennuyez, mais mon histoire de Bobolo, ça ne vous regarde pas. Vous vous ennuyez trop. Il faut chercher vos vies. Cherchez aussi à avoir les problèmes. Vous croyez que c'est n'importe qui a les problèmes? C'est n'importe qui a un problème. C'est quoi? Les gens qui sont à Konengi, ils n'ont pas eu de problème. Hein?
Pourquoi vous, c'est sur moi que vous venez déjà venir faire le Congo-Sa? Je vous ai dit que je suis avec vous. Hein? Ceux qui sont à Kondengi, là, c'est moi qui les ai mis à Kondengi. Dès que quelqu'un dit une bêtise, maintenant je bloque. Ça va m'éviter de... Désormais, je vous bloque. Alors, je suis en train de vous dire que je vais très bien. J'ai déjà bien profité, non? Qu'elle profite encore bien. Si tu réussis à manger le maquereau au bar, tu profites, non? Quand tu vas t'asseoir au bar, tu manges. Vous savez pas que c'est des choses rares. Quand tu arrives à faire ça dans ton pays, c'est bien, non? Vous voulez encore que je fasse quoi? Votre vie, c'est chercher les problèmes. Est-ce que je m'appelle Coco Emilia? Est-ce que vous insultez Coco Emilia en ce moment? Et puis j'étais chez moi le matin. J'apprends que Comprosor a dit qu'elle me renie. Comprosor, est-ce que toi et moi on est amis? Tu me renies, je fais quoi avec toi? Qu'est-ce que je fais avec toi? Tous les deuils que j'ai eus, est-ce que tu es venu? Tu me renies. Est-ce que ta catégorie dépasse ma catégorie? Pourquoi vous êtes comme ça, des gens qui... Toi et moi, on n'a pas un problème. Si on ne peut pas se parler, je sais que depuis que je ne t'ai pas amené à la canne, ça ne t'a pas plu. Mais le même cul que j'ai, tu as. Toi aussi, tu peux m'amener. Donc, toi, tu ne m'as jamais rendu service. Pourquoi tu peux t'énerver si tu ne te rends pas service? Je t'ai expliqué que ça ne dépendait pas de moi. Maintenant, tu me fais des... Que tu ne peux pas faire la photo. Hé! Hey! Compresseur. Compresseur, toi aussi, tu entres déjà dans les trucs bizarres comme ça. Là. Toi, tu es déjà plus importante que moi. Que tu ne peux pas faire la photo avec moi. C'est toi qui cherches le mariage chez les boules ou non? Ton mari, c'est mon petit frère. Il faut lui demander comment on se comporte chez nous. Si tu veux aller en mariage chez les boulots, si tu as le niveau de te marier chez les boulots, demande à ton mari comment on fait. Je suis ta belle-sœur, ta grande belle-sœur. On n'est même plus au niveau de Facebook. Je suis ta grande belle-sœur. Donc, tu as intérêt à arranger ton langage. Je te demande quoi? Tu es ami avec une milliardaire, non? Tu m'as amené dans ton réseau. Est-ce que je me suis plaint? Je me suis plaint. Je ne me suis pas plaint. Pourquoi tu me fais la vidéo? Et tu commences à dire comment toi tu es. Comme tu es direct là, moi je suis direct. Est-ce que tu ignores ça? Est-ce que tu ignores ça? Toi et moi, on a quel problème? Tu me fais la vidéo pourquoi? Une personne qui insulte les Bamileke. Si tu as choisi de laver les assiettes chez les Bamileke, c'est aussi ton problème. C'est une Bamileke qui est venue nous dire que tu es malade, non? On savait que tu es malade. Si tu as décidé de marcher avec elle, mais tu ne manques pas de respect aux gens. Toi et moi, on n'a rien à se dire. Tu me salues, tu ne me salues pas. C'est du pareil au même. C'est moi qui n'ai pas compris, tellement j'aime me rabaisser que je me suis mise à votre niveau. Mais toi-même, tu n'es pas de ma catégorie. Tu as déjà vu la catégorie des choses que moi je peux faire. Est-ce que tu peux faire ça? Non. Si tu peux faire ça, voilà la canne. Il y aura la canne en Côte d'Ivoire. Non, il y a même la Coupe du Monde. Que toi aussi, on t'invite à la hauteur qu'on m'a invité. Si tu veux déjà te comparer avec moi, pourquoi vous êtes comme ça? Tu apprends que j'ai insulté. Tu es qui pour donner ton avis? Quand tu fais tes choses, je parle. Est-ce que je parle quand tu fais tes choses? Ça ne m'intéresse pas. Tu as mis avec une milliardaire. Est-ce que tu m'as amené dans ton réseau? Non. Et pourquoi tu te fâches si je ne t'ai pas amené dans mon réseau? Et c'est toi que si j'amenais, ça allait changer quoi? Vous êtes toutes pareilles.
Vous ne respectez personne. Vous respectez qui? Non, il ne faut pas m'envoyer les nouvelles. Fais ta vie. Moi, j'ai déjà perdu mes parents. Tu ne m'as pas assisté. Si tu perds aussi tes enfants, c'est ton problème. Gère ça avec tes contacts. Chacune de nous a ses contacts. C'est comme ça. Tu n'as pas besoin de m'associer. C'est vrai, j'ai appris que tu as eu deuil. Hein? Fais ta vie. Tu es la femme de Boulou, fais ta vie. Je suis ta belle-sœur. Fais ta vie. Tout le monde m'envoie les nouvelles. Tu m'envoies les nouvelles pourquoi? Est-ce que tu es obligé de m'envoyer les nouvelles? Tu n'es pas obligé de m'envoyer les nouvelles. Fais ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. Fais ta vie. Chacune de nous a ses contacts. Chacune de nous a ses contacts, non? Vous, quand on ne vous calcule pas, vous voulez toujours que les gens parlent. C'est quoi? Chaque blogueuse a ses contacts. Chaque Camerounaise a ses contacts. On n'est pas obligé de se dire bonjour. Moi, j'ai décidé de ne plus dire bonjour aux blogueuses camerounaises. Ça ne vaut pas la peine. Moi, j'ai décidé ça. Et je vais le faire. Je ne vais plus dire bonjour. Parce que tu dis bonjour. Parce qu'il y a trop d'amalgame. Trop d'amalgame. C'est quoi? Après, on va dire que tu as parlé. Tu ne calcules même pas une personne. Est-ce que tu as parlé d'elle? Ok. Chaque personne a ses deuils. Le deuil, c'est la cotisation. Tu viens à mon deuil, je viens à ton deuil. Tu ne viens pas à mon deuil? Je ne viens pas. Moi aussi, je ne viens pas, ne viens pas aussi à mon deuil. Il y a quoi? C'est la guerre. C'est la guerre. Vivez vos vies, soyez heureux. Que chacun essaye de vivre sa vie. C'est de ça qu'il est question. Arrêtez de vous mêler des vies des autres. Vivez vos vies. La vie est tellement belle. Pourquoi être aigri? Pourquoi être haineux? Chercher des problèmes aux gens pour rien. La vie est belle. Vivez vos vies. Vivez vos vies. Même avec peu de choses, on peut être heureux. Arrêtez d'envier les gens. Avec peu de choses, on peut être heureux. Contentez-vous de vos vies et vivez vos vies et soyez heureux. C'est le nouveau message. Arrêtez la sorcellerie sur Facebook. Maintenant, c'est le problème des bobolos. Et quand le problème des bobolos va finir, vous allez encore prendre une question. On n'est pas obligé d'être amis. Voilà, c'est quoi? Hein? Chacun vit sa vie. C'est quoi? C'est même quoi comme ça qu'il y a même dans les vos histoires d'ici? C'est quoi là? Comme vous faites, toi qui parles du Zomlo, tu as l'âge d'aller saluer un Zomlo, non? Vous découvrez le Zomlo derrière moi. Toi aussi, va le saluer, non? Le Zomlo est à Vision 4, va le saluer. Si tu as le niveau. Hein? C'est la jalousie. Va aussi saluer le Zomlo, non? Vous voyez qu'on a créé le Zomlo pour moi. Allez aussi le saluer. Si parce c'est que facile. Le vivre sa vie, vous mettez vos yeux. Vous avez vos vies, non? Vous avez vos familles. Allez aussi saluer le Zomlo. Le Zomlo est là-bas, Vision 4, allez le saluer. Vous faites aussi la photo, vous postez. Est-ce qu'on a créé le Zomlo pour moi? Est-ce qu'on a créé le Zomlo pour moi? Allez aussi saluer le Zomlo, vous amenez la photo sur Internet, si c'est facile. Hein? Si c'est facile, allez saluer le Zomlo. Le Zomlo a déjà salué combien d'influenceuses ou combien de blogueuses? Et qu'est-ce qu'il y avait à l'affaire du Zomlo? Est-ce que tu as déjà salué le Zomlo? Que je le salue ou que je ne le salue pas? Ça change quoi dans ma vie? Vous aussi, ce que j'ai déjà fait, allez aussi faire. Comme c'est facile. Hein? Allez faire, si c'est facile. Même si je ne paye pas, ça te regarde. Hein? De quoi je me mêle? Tu n'as pas de vie.
La personne qui parle là, sa vie a les dos d'âne. Moi-même, j'ai écouté ce que le professeur a dit. J'ai écouté ce que le professeur a dit. Pas qu'on m'a dit. Je l'ai écouté. Elle dit qu'elle ne veut pas s'afficher avec moi. Que les gens arrêtent de lui dire que je ne suis pas partie à sonder. Le professeur, elle est qui? Pour me dire qu'elle ne veut pas s'afficher avec moi. On a perdu notre tante l'année passée, elle est venue. Alors, c'est quoi? Compresseur, elle a fait une vidéo. Oh, Victoria, ça va? Est-ce que je l'ai insultée? Elle dit qu'elle ne peut pas s'afficher avec moi. Je lui dis que moi-même, je ne peux pas m'afficher avec elle. Si moi, j'ai bien parlé avec elle, c'est parce que je suis généreuse. Ce n'est pas ma catégorie de femme. On ne peut pas entrer dans le même milieu. Ne nous voilons pas la face. Ce n'est pas parce qu'on est sur Facebook. Ce n'est pas parce que je me suis rabaissée. Elle juge mes propos pourquoi? Elle a sa vie. Si je fais quelque chose, elle ne doit pas assumer ça. Est-ce qu'elle est de ma famille? Quand elle fait pour elle, j'ai parlé. Depuis qu'elle fait ces choses, est-ce que j'ai parlé? Elle juge mes propos de la radio. De quoi elle se mêle? Elle connaît que ça s'est passé dans quel contexte? Et comme elle ne veut pas comprendre, elle prend un parti pris. Qu'elle s'occupe de ses patates et de ses oignons. Chacune a sa vie. C'est la femme de mon petit frère. Qu'elle s'occupe de lui. Elle me demande quoi? C'est quoi? Est-ce que tu es obligé de parler de tout? Comment? J'ai écouté, moi-même j'ai écouté. On m'a envoyé sa vidéo. J'ai entendu ce qu'elle a dit. J'ai dit c'est quoi? Pourquoi elle parle comme ça? Elle ne peut pas s'afficher avec une femme qui fait si c'est quoi, 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 fait quoi. Ma vie, je l'assume complètement. Quand vous m'avez publié nu, j'ai assumé non. Vous avez encore dit que j'ai fait quoi? J'ai assumé, non. Maintenant, c'est les bobolons. J'ai assumé, non. Et voilà ma belle-sœur. Ma belle-sœur! Bonjour! La femme de Ndi. Elle a dit qu'on est là-bas. Oui. En Balmayo. Ma belle-sœur, quand on arrive en Balmayo, on va où? On va il faut qu'on fasse le programme eBay. eBay, c'est quoi? Inbox. Ma belle, mon numéro de téléphone, donne. 06. Ma belle sœur, appelle-moi, on fait le programme pour venir là-bas en Balmayo. Je vais lui écrire, on va lui écrire inbox. Moi, je n'ai pas un problème avec les blogueuses. Apparemment, c'est un groupe d'amis. Moi, je n'ai pas de problème avec elles. Désormais, je ne parle plus avec les blogueuses. Parce que c'est des groupes d'amis. Elles cherchent les problèmes aux gens. Je n'ai pas le temps de discuter avec les analphabètes. Le problème avec Francis va finir, ce n'est pas un problème éternel. Ça va finir et je vais encore voir ce que vous allez encore inventer. Vous croyez que ça me gêne quoi? Ça me dérange à quoi? Tous les bordels blogueuses là, je n'ai plus rien à foutre avec. Faites vos amitiés, je m'en fous. Je peux me quereller avec toute la toile et elles ne vont pas me dominer. Parce que moi, je sais parler en français. Je peux me quereller avec toutes les blogueuses là. Et aucune ne va me dominer. Parce que j'ai les atouts. Je suis la plus âgée et j'ai les atouts. Et je suis plus belle qu'elle. Vous croyez que j'ai peur de vous? J'ai dit que je ne parle plus avec les blogueuses. C'est tout. Parce que je vois que tu ne les connais même pas. Et commence à chercher les problèmes. Que j'ai rendu visite à grand-mère à Oudia. Est-ce que je connais ta famille? Voilà. Ah, je m'en fous de... Je ne suis pas venue sur Internet chercher les amitiés. J'ai déjà mes amis. J'ai mes amis. Moi, il y a des choses que je n'accepte pas et que je ne ferai pas.